Il va te le. Eh bien, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir encore ce soir pour cette veillée de louanges et d'adoration. Peut-être que si les retardataires pouvaient s'asseoir, ce serait bien. Et nous accueillons Kurt Meder ce soir, le fondateur de la communauté et un évangéliste de renom sur la région. J'attends qu'on nous affiche le mot d'ordre, que je ne connais pas par cœur. Vous m'avez écouté, on avance par la foi. Je pense qu'elles vont le trouver à deux. C'est pas toujours évident avec la technique. Ah, tu nous le trouves ? Tu viendras. Tu viendras le proclamer. Prends le micro, hein, Jean-Daniel. Alors voilà, on vous accueille cette fois-ci avec le bon mot d'ordre. J'essaie de retrouver le verset. En tout cas, il se trouve dans Éphésiens, voilà, chapitre 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 5, verset 9. Parfait. Avec ce mot d'ordre, donc, nous avons l'honneur de vous accueillir. Soyez bénis et le groupe de louanges est déjà en place. Soyez bénis. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Et, c'est un honneur de pouvoir louer ce soir. Alors, il y a quelques semaines de cela maintenant, Saint-Nicolas a vécu un moment assez fort puisqu'on a fait un camp métamorpho. Et pendant ce camp qui s'appelait donc métamorpho, on a eu un moment de partage avec des louangeurs qui venaient de Nancy. Et ces louangeurs disaient que le but, c'est de pouvoir vivre la louange. Et ce que je propose, c'est qu'on puisse vivre ensemble cette louange. On est autant devant vous et à vous proposer des chants, mais on est surtout dépendant de vous et de ce que le Seigneur va impulser en chacun de nous. Donc puissiez-vous aussi vous sentir libre de vous lever, de chanter, de danser. Donc voilà, et donc on va commencer. Vous êtes prêts ? Ça va la projection ? Je sonde l'univers, les astres que tu as
mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe qu'est tu tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta volonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux Clamerai, toi seul est ma force.
Ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. De reprendre le Alléluia qu'on a chanté avant, maintenant que vous êtes plus en forme. Alors c'est parti. Thank you.
voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves, tu seras la réponse à tout ce que je vis, tu seras l'âme qui viendra pour me relever, tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Come.
Les épreuves me font douter de toi. Ta voix soutient mes pas. Dans ma paix, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Oh, 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 oh. Quand je suis sans moi, et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi, et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi, car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi, l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi, l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Tu es ma vie, tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Dieu de l'infini, tu ne faillis pas, non, non. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Ta promesse en moi, l'encre de ma foi, ta promesse en moi et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Ton amour pour moi ne faillit pas.
saint, toi le don parfait, mon héritage, envoyé des cieux pour embraser la terre. Je ne
Esprit de Dieu, viens, Esprit de feu. Je ne suis rien, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me tends la main, encore une fois, sans toi je ne suis rien, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu nous tendes la main. Encore une fois. Alors pour ce prochain chant, le Seigneur me travaille beaucoup en fait depuis quelques jours avec ce chant qu'on va prendre. Du coup, je pense qu'on va prendre le temps de bien chanter celui-là, surtout la partie de la fin où on chantera ces paroles, où la mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Et le Seigneur me réveille depuis quelques jours assez tôt le matin pour justement me rappeler qu'il faudrait que je fasse ça avec vous ce soir. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la proclamation. Voilà, on va se laisser guider. Je vois un peu la forme que ça va prendre, mais on va se laisser guider. Et puis voilà, Seigneur, viens faire ton œuvre. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sort du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté, éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme, tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Les dieux des merveilles, de toi se merveillent, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi, laissant amère la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Les tombeaux déserts, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis.
Perdu, il a vaincu, éveille-toi. Ce sont exactement ces paroles-là qui ont commencé à tourner dans ma tête ces deux derniers matins. Et je crois qu'il y a quelque chose à proclamer ce soir. Quelque chose à proclamer sur nos vies. Je crois que pour le proclamer, je vais aller au piano. Donc la mort a perdu. Il a vaincu. Éveille-toi. Mort perdu, il a vaincu, éveille-toi. Mort perdu, il a vaincu, éveille-toi. Mort perdu, il a vaincu, éveille-toi. Maintenant sur la vie de nos frères et sœurs qui sont là ce soir, que la mort a perdu, il a vaincu, frères et sœurs, il a vaincu la mort. Éveillons-nous maintenant. Éveille-toi, la mort a perdu, il a vaincu, éveille. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Oui Seigneur, c'est s'il y a encore des résistances dans ma vie, choses qui vont à l'encontre de toi. Seigneur, ce soir, je veux te le remettre entre tes bras. Je veux poser ça à la croix et proclamer que ce qui est de la mort n'a plus aucune autorité sur moi. Tous les fardeaux, tous les blocages qui font que je passe à côté de toi, à côté de ta présence, Seigneur, je veux plus ça. Je veux briser ça au nom de Jésus. Tout ce qui est frein, tout ce qui me bloque, tout ce qui me permet de ne pas profiter de toi, je veux le proclamer ce soir au travers de ces paroles, de ce chant, Seigneur. Oui, je veux proclamer. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. La mort a perdu, il a vaincu.
S'il y a encore des résistances ce soir, Seigneur, je veux te le donner. Je veux tout te donner parce que, comme dirait sœur Danielle, je représente une maison et dans cette maison, il y a plusieurs étages. Il y a la cave, il y a l'étage principal, il y a le grenier. Et le Seigneur, il ne se contente pas juste de la cave, ni du premier étage. Le Seigneur, il veut aller jusqu'au grenier. Il veut explorer les moindres endroits, les moindres parcelles qui sont encore cachées, qui résistent à sa présence. Oui, Seigneur, ce soir, on veut te donner toutes ces petites résistances encore qui font que j'arrive pas à profiter de toi, j'arrive pas à te cerner dans toutes les choses qui font de ma vie que je suis ton fils, ta fille. Viens ce soir, Seigneur, souffler d'un vent nouveau sur moi. Oui, viens souffler, Seigneur, souffle sur Saint-Nicolas. Afin que toutes ces personnes qui sont ici présentes puissent être bénédiction, lumière du monde. L'amour a perdu, il a vaincu, éveille-toi. L'amour a perdu, il a vaincu, éveille-toi. L'amour a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Thank you.
merci au groupe de louanges pour ces merveilleux moments. Vraiment, la présence du Seigneur est tangible parmi nous. Et voilà, je laisse maintenant la place à Kurt. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ça fait du bien de se retrouver ici. Heureux de vous revoir. Heureux de ce moment que nous venons de passer ensemble dans la louange. Ce sont des moments tellement importants. Des moments où on se pose avec tout ce que nous sommes, avec nos joies, avec nos peines, avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec notre stress, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir chanter, de pouvoir adorer et laisser cet Esprit Saint que nous venons d'invoquer entrer dans nos cœurs, entrer dans nos vies. En tout cas, merci l'équipe, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je voudrais partager avec vous ce soir des choses très simples et pourtant tellement importantes. Lorsque j'ai préparé ce culte, je suis tombé sur le thème du jour. Le thème du jour, c'est la suite du mot d'ordre que nous avons entendu tout à l'heure, le fruit de la lumière. En fait, le thème du jour, c'est le fruit. Ah, vous voyez arriver le jardinier que je suis. Hein. Ça me parle tous les jours. Surtout qu'aujourd'hui, les arbres de fruits, ils ont beaucoup de peine avec la sécheresse. On voit les feuilles qui commencent à tomber. On voit les feuilles qui flétrissent, on voit tellement de souffrance dans la nature. Mais au bout, il y a l'espérance. Nous venons de chanter « Éveille-toi, éveille-toi ». Eh bien, la nature, elle aussi, a besoin de se réveiller à nouveau, comme nous en avons besoin, nous aussi. Alors, le thème, c'est le fruit de l'esprit. Le texte le plus connu, vous le connaissez, il est dans Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, je ne vais pas vous faire une énumération de tout cela. Vous connaissez ces fruits de l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis nous en avons tous besoin? Qui de nous n'a pas besoin d'amour, de joie, de paix, de patience? Qui de nous ne lutte pas dans sa vie pour avoir une maîtrise de soi? Qui de nous ne lutte pas ou ne dépense pas de l'argent pour que ces valeurs-là, ces fruits-là, soient présents dans notre vie tous les jours? Il y a quelques années, nous étions aux États-Unis, mon épouse et moi avec nos enfants, et nous étions dans une église. Et dans cette église, le pasteur, il est venu avec une pomme. Et il venait qu'un couteau, et il a coupé la pomme en deux. Et il a dit, regardez, à l'intérieur de cette pomme, il y a des pépins. Alors vous pouvez la couper en plusieurs morceaux, vous pouvez compter tous les pépins qu'il y a dedans. Il y en aura peut-être 20, 30, 40, qu'est-ce que j'en sais. Et il dit, vous pouvez compter les pépins qui sont dans une pomme, mais vous ne pouvez jamais compter combien il y a de pommes dans chaque pépin. Pourquoi? Eh bien parce qu'avant que nous puissions compter les pommes qu'il y a dans un pépin, il faut qu'il y ait un cheminement. C'est le cheminement de la croissance, c'est le cheminement de la sanctification, c'est le cheminement de la mort. Vous avez eu à cœur ce soir de nous dire que la mort a été vaincue. Eh bien le fruit de l'esprit commence par la mort. Et il n'y a pas de vie de résurrection s'il n'y a pas une mort au début. C'est l'évangéliste Jean qui nous dit, si le grain qui est mis en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Cette petite graine, aussi petite soit-elle, a une enveloppe. Il faut que cette enveloppe qui a durci et qui protège la vie qui est à l'intérieur de la graine, eh bien, cette enveloppe meurt pour que la vie puisse se libérer.
Eh bien, cette vie-là, elle est présente en chacun de nous, dans ses fruits de l'esprit, de l'amour, de la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, dans toutes ces valeurs tellement importantes. Mais parfois, eh bien, ces valeurs sont enfermées à cause des circonstances de la vie. Nous venons de chanter à la fin « Éveille-toi ». Moi, j'avais l'impression que c'est ça le message de ce soir. Il faut que, eh bien, que cette force qui est à l'intérieur puisse sortir. Et en même temps, se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui l'empêche de sortir? Alors, je ne vais pas venir creuser dans votre vie. Hein. Rassurez-vous, j'en ai assez à faire avec la mienne. Il y a tant de choses qui doivent se libérer et qui, au fur et à mesure dans la vie, parfois s'enferment de nouveau à cause de mon attitude ou de ma faiblesse ou de mes péchés ou du chemin que j'ai pris. Eh bien, cette vie-là, cette vie des fruits de l'esprit, a une espérance. C'est que chaque pépin produise beaucoup de fruits dans l'avenir. Dans ce cheminement où Dieu nous promet de jamais nous laisser seuls, d'être toujours avec nous et de progresser avec lui. Il est là par son esprit pour nous faire marcher, pour marcher avec nous main dans la main, pour que nous puissions, au travers de ce merveilleux cheminement, porter du fruit. Et l'évangéliste Jean, dans son chapitre 15, nous dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, et je vous ai établi d'abord. Je vous ai établi, ça veut dire que je vous ai en fait mis à la bonne place, et je vous ai tout donné, ce dont vous avez besoin, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Mais dites-moi, vous avez déjà vu une fois un fruit qui demeure? Ça n'existe pas. La seule façon pour un fruit de demeurer, c'est de mourir, c'est de pourrir. Et c'est seulement à partir du moment où il meurt, où il pourrit, qu'il libère les graines, où la vie qui est à l'intérieur peut se libérer pour créer une nouvelle espérance. La mort, elle est toujours au cœur du fruit. La mort a ce qui est négatif et la libération de la vie éternelle. Alors le fruit, c'est notre thème d'aujourd'hui, les fruits de l'esprit. Vous savez, le premier fruit de l'esprit du Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus lui-même, puisqu'il a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né d'une femme disposée à être disponible pour le porter, pour le mettre au monde. Et puis ensuite, le laisser partir. Il n'y a pas plus difficile pour une maman que de laisser partir son enfant. On aimerait tellement les garder et puis les accompagner. Ben non, là, eh bien, Jésus a été ce premier fruit de l'Esprit. Eh bien, ça commence dans sa vie par une petite graine. Ça commence par cette graine qui est mise en terre, qui doit mourir pour vivre. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette merveilleuse parole de Galates quand il parle des fruits de l'Esprit. Et puis dans le chapitre précédent, dans Galates, il dit, mais vous rappelez qui j'étais? J'étais ce persécuteur de l'Église. Et j'avais plus de zèle que tous les autres. Il a fallu que je meure à cette vie-là pour que je puisse devenir celui que Dieu a choisi pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle aux nations. Eh bien, cet apôtre Paul-là, il est mort à sa vieille vie, vous savez pourquoi? Bien parce qu'il a fait une rencontre. Il n'a pas changé de vie parce qu'il était bon théologien. Il était certainement le meilleur théologien de l'époque. Il n'a pas changé de vie parce qu'il avait un exemple à côté de lui. Ce n'est pas parce qu'il y avait un grand évangéliste. Il a changé de vie parce qu'un jour, il a entendu la voix de Dieu qui a parlé à son cœur. Et Dieu n'a pas été rebuté par la vie de l'apôtre Paul, qui n'était pas encore apôtre à l'époque. Il n'a pas été rebuté par cet homme qui le persécutait, mais c'est lui qui l'a choisi. Ça me rappelle tout simplement le reniement de Pierre. Lorsque Pierre a renié Jésus trois fois avant de mourir,
Et Jésus le lui avait annoncé. Et il a dit jamais. Et quand il l'a renié la troisième fois, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il aurait pu lui tourner le dos et dire, ben, je t'avais bien dit. Hein. Il l'a regardé. Il s'est tourné vers Pierre. Il lui a regardé dans les yeux. Et Pierre a craqué. Et Pierre partit en pleurant. Et c'est ce jour-là qu'il a fait cette rencontre, qui a fait de lui cet apôtre qui a porté beaucoup de fruits, qui a pu, eh bien, lui aussi, être un témoin de l'Évangile jusqu'à donner sa propre vie pour le Christ. Alors, l'évangéliste Jean, dans Jean 15, dit, eh bien oui, pour porter du fruit, il faut d'abord que ce qui est faux meure. Alors, le début du fruit de l'Esprit, c'est la rencontre toujours renouvelée avec le Père. Et il me semble, et j'ai été assez longtemps ici, que les moments de louange que nous passons ici ensemble sont ces moments où, au-delà des paroles, le cœur peut être touché. Où on peut sortir de cette église en étant différent, parce que je dis, mais il y a quelque chose qui s'est passé au fond de moi. Même si je ne peux pas l'expliquer, même si c'est incompréhensible pour l'instant, il y a quelque chose qui s'est passé parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de limite pour venir à nous et pour nous proposer ce cheminement, nous proposer cette offre de grandir dans les fruits. Nous parlons beaucoup ici, je crois, en tout cas c'était le cas, des dons de l'Esprit. C'est important, c'est essentiel. Mais le don, c'est d'un côté, puis le fruit, c'est de l'autre. Il y a un équilibre entre les deux. Et les dons de l'Esprit aident au fruit à mûrir. Alors, quelques petits exemples par rapport au fruit. Je voudrais vous parler d'un autre texte. Je ne vais pas vous le lire ce soir, mais vous le connaissez. Jésus a beaucoup aimé les images de la terre. Et le fruit, comme les autres images de la terre, nous rappelle beaucoup de vérités spirituelles. Un jour, il a dit, un semeur sorti pour semer. Et il semait partout. Il a semé sur le chemin dur. Il a semé sur le terrain rocailleux. Il a semé sur le terrain où il y avait des épines, des mauvaises herbes. Puis il a semé sur la bonne terre. Première leçon du fruit, c'est que Jésus ne choisit pas son terrain. Il sème partout. Et j'ai envie de redire ce soir à tous ceux parmi vous, et à moi aussi, qui parfois se sentent indignes de recevoir la parole. C'est la seule bonne attitude. Parce que Jésus sème partout. Il ne dit pas, je vais semer sur le chemin. Parce que c'est trop dur, je ne vais pas semer. Aujourd'hui, on laboure d'abord. Et puis après, on sème. Là-bas, on semait avant de labourer. Et ça tombait partout. Alors, le fruit, il grandit là où les choses sont devenues dures. Le chemin, à l'époque, c'était l'endroit où on passait en permanence. C'est là où on passait avec le char, en permanence. Et à force d'y passer, cette tradition, hein, oh, je n'aurais pas dû utiliser le mot, hein. Si, quand même. Tradition qui rend les choses dures. Tellement dures qu'on n'arrive plus à le labourer. Bien, Jésus, il a encore de l'espérance. Et il dit, là aussi, je sème. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui peut se passer. Si dans ma vie, quelque chose est devenu trop dur à cause de blessures, à cause de je ne sais pas quoi, à cause de maladies, à cause de souffrances, à cause de révolte, à cause de rejet, à cause de mépris, d'abus, de toutes sortes. Parfois, pour nous protéger, nous devenons durs. Parfois, nous devenons durs aussi dans des traditions d'église.
Alors c'est moi qui ai la vérité, c'est plus l'autre. Ben, Jésus, ça ne l'arrête pas. Il s'aime. Là où quelque chose est devenu trop dur, Dieu veut semer pour porter du fruit. Le deuxième terrain, ce terrain pierreux, vous avez déjà vu une semence germer sur une pierre? Il y a une seule possibilité, c'est que vous l'arrosiez toutes les minutes. Hein. Ce soit jamais sec. Donc si ça germe plus rapidement, c'est qu'il y a un petit peu de terre dessus. Alors il y a plus de chaleur parce que la pierre est juste en dessous. Ça germe plus vite. Mais quand les racines touchent la pierre, c'est fini. Tout s'écroule. Ce qui me fait simplement dire que c'est un terrain, et nous sommes ce terrain, où il y a des choses cachées. Ou des choses qui sont recouvertes parce que je ne veux plus les voir, je ne veux plus les entendre, je ne veux pas que les autres les connaissent. C'est l'intimité, la profondeur de ma vie. Alors, j'ai mis un paravent, un peu de terre ou autre chose. Puis, en secret, j'en ai honte. Puis Jésus lui dit, mais non. Je sème, parce que j'ai de l'espérance sur ce terrain-là aussi. Ce troisième terrain, c'est le terrain des épines. Il dit, plus tard, ce sont ceux qui sont laissés emporter par le plaisir de la vie. Ceux pour qui, tout à coup, le monde est devenu plus important que le Seigneur. Et puis parfois, nous sommes sur cette pente dangereuse. Ça peut nous arriver à tous de glisser. Tout à coup, ce n'est plus le Seigneur qui est en premier, mais c'est autre chose. Et puis, je bénis le Seigneur d'être avec autre chose, au lieu de le laisser. Je lui dis, Seigneur, bénis ce que je vis, au lieu de dire, Seigneur, que veux-tu que je vis? Le Seigneur ne condamne pas, il s'aime. Là aussi. Quatrième terrain, c'est la bonne terre. Vous êtes quel terrain, vous? Aïe. Un jour, vous êtes le terrain dur. Un jour, vous êtes le terrain pierreux. Un jour, vous êtes le terrain avec les mauvaises herbes. Parce que dans ces trois terrains, il y a de la bonne terre. Et vous savez ce qui rend ces terrains, les transforme en bonne terre? Eh bien, c'est le labour. C'est le labour. Et le labour à l'époque se faisait avec une branche d'olivier. Alors ça ne retournait pas beaucoup de terre, 2-3 cm, mais juste quoi recouvrir la graine. Et le labourage de nos vies se fait avec le même bois que la croix de Golgotha à l'époque. Quand la mort du Christ entre dans ma vie pour redonner espérance, alors le fruit commence ou recommence à grandir. Et quand il recommence à grandir, eh bien au début on ne le voit pas. Parce que tout fruit, frères et sœurs, commence par une plante. Et la plante, elle a besoin de racines. Les racines, c'est quoi? Eh bien, il y a deux raisons aux racines. Une première, c'est la solidité. Et la deuxième, c'est la nourriture. Quand quelqu'un n'a pas de racines, il peut faire illusion. Mais quand vient la première tempête, il s'écroule. Alors, pour avoir des fruits, nous avons besoin de nourriture, de l'eau, de l'engrais. Et nous avons besoin de profondeur. La profondeur, dans la parole de Dieu, c'est la communion dans la prière avec le Seigneur. La profondeur fait disparaître la superficialité. Et Dieu voudrait tellement que nous puissions aller en profondeur. Et plus les racines sont profondes, plus je trouverai de nourriture, et plus
bien je pourrais avoir l'espérance de porter encore du fruit. Et c'est un processus qui nous est proposé. Bien oui, les racines sont tellement importantes. Parce que les racines, eh bien, elles sont le point de départ de la sève. Dans Jean 15, il est dit, vous demeurez attachés à moi, sinon vous ne pouvez pas porter de fruits. Pourquoi ? Mais parce que la sève passe des racines dans le tronc, dans les branches, dans les bourgeons, dans les feuilles, dans les fleurs, puis dans le fruit. La sève, c'est le jus, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Pour que le fruit continue à grandir, eh bien, il faut que l'esprit continue à nous irriguer pour que nous le laissions circuler en nous. Et si nous le laissons circuler en nous, eh bien, il va faire germer des miracles. Frères et sœurs, j'ai jamais vu un arbre qui donne le fruit le lendemain qu'on l'ait planté. Le fruit, ça prend du temps. Or, dans le monde spirituel et charismatique, on n'a pas de temps. Il faut que ça tombe tout de suite du ciel. Alléluia, si ça tombe du ciel. Et on a le droit de le demander. Mais les fruits, eux, ne tombent pas du ciel. Les fruits sont l'aboutissement d'un processus qui prendra plus ou moins de temps, suivant qui je suis, suivant comment je suis, suivant les circonstances. Ben oui, c'est merveilleux. Mais dans ce processus où je passe au travers des saisons, vous avez déjà cueilli des pommes en plein hiver ? Ou des raisins au mois de janvier ? Bon, bien sûr, les grains nobles, peut-être au mois de décembre, mais peu importe. Hein. Chaque saison a son processus qui est important. Et vous savez que les périodes où on ne voit pas de fruits sont aussi importantes que ceux où on voit du fruit. Parce qu'on sait très bien que quand on n'a pas eu d'hiver, eh bien, les nuisibles détruisent tout au printemps. Parce qu'ils ne sont pas morts en hiver. Parfois, il faut que dans les moments d'aridité, où je ne vois rien, j'apprenne à marcher par la foi et non pas par la vue. Par la foi que dans ce temps d'aridité, de maladie, de souffrance ou autre, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi ? Parce que Dieu est là, il m'accompagne. Et même si je n'arrive pas à le sentir, et nous n'aimons pas ça, nous voulons sentir, nous voulons saisir, nous voulons le voir. Mais parfois, on ne voit pas, il est là. C'est l'expérience que venons de faire avec mon épouse. Au mois de janvier, un cancer de l'estomac s'est déclaré. On lui a donné des médicaments tellement forts qu'elle n'a pas supporté. Elle a eu des problèmes neurologiques graves, elle est tombée dans le coma. On croyait qu'elle allait partir. Ils ont dû arrêter les médicaments. Et puis au mois de juin, on avait un nouveau rendez-vous pour savoir s'il fallait reprendre la chimio. On a passé 4 mois à se dire comment est-ce qu'on va vivre. Puis à la dernière gastroscopie, il n'y a plus de cancer. Alors merci Seigneur pour les médicaments, même s'ils étaient trop forts cette fois. Mais merci au Seigneur aussi parce qu'il a fait des choses. Photo à l'appui, preuve à l'appui. Seigneur, pourquoi ? Pourquoi on a dû passer là ? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là. Et Danielle vous salue tous. Elle aurait aimé être là ce soir, mais elle garde nouveau des petits-enfants. Donc ça va mieux. Parfois, il y a de ces moments terribles dans la vie où on passe de la mort à la vie. Et on se demande si on est plus proche de l'un ou de l'autre. Mais il y en a un qui est là, qui ne nous abandonne pas, parce qu'il s'aime
partout. Et qu'il veut nous faire grandir, nous faire porter du fruit au travers de cette sève qui passe dans les différentes saisons. Mais oui, je voudrais dire une dernière chose. On pourrait parler des heures sur le fruit. Regardez un arbre. Il a un tronc. Et quand vous coupez le tronc, et puis les horticulteurs et les paysagistes vous le diront, quand vous coupez le tronc, en fait, la sève, elle est sous l'écorce. Et chaque année, ça agrandit un tout petit peu et la sève va plus vers l'extérieur et ce qui est à l'intérieur du tronc meurt. Il devient dur. Un arbre, vous lui enlevez le bois mort à l'intérieur du tronc, il ne tient plus. Les moments de vécu dans l'esprit, dans les fruits de l'esprit, vont aussi évoluer. Et certaines choses vont tomber, devenir dures, mais ça ne veut pas dire inutile. Ça veut dire devenir soutien de la nouvelle vie. Et l'expérience du passé me fait grandir dans la nouveauté de la vie pour porter du fruit. Et c'est un processus que le Seigneur nous propose tous les jours à nouveau pour que vous produisiez beaucoup de fruits. C'est une offre. Et que votre fruit demeure. Vous avez déjà vu un arbre qui mange ses propres fruits? Moi, je n'ai jamais vu ça. Si vous en connaissez un, vous me le dites, hein? Ça m'intéresse. Je ne connais pas d'arbre qui mange ses propres fruits. L'arbre laisse tomber ses fruits. Et puis, parfois, je les cueille. Je les vends ou je les offre. Mon fruit, c'est toujours quelqu'un d'autre qui en profite. Et peut-être une génération suivante. Peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être je ne saurais pas qui en a profité. Mais ce n'est pas mon problème de savoir qui en profite. Mon problème, c'est de rester près de celui qui a tout accompli. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et puis je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Notre fruit, ton fruit, c'est l'espérance de demain pour quelqu'un d'autre. Amen. On prend encore un chant? Allez. Je vous propose de prendre un chant, puis ensuite on se prend encore un petit moment de prière ensemble. Oui, oui, après. On a encore un peu de temps, non? Oui. Je suis sûr qu'ils ont encore un beau chant pour intérioriser l'Esprit de Dieu. Ouais. Avec moi, ils sont toujours pris au dépourvu, hein, les pauvres. J'avais prévu le coup. C'est bien. Ce chant, il dit que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. C'est pas dur, hein? Donc on reprend ses paroles. Que ton nom résonne en ce lieu.
ton nom résonne en ce lieu. Nom de Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Il y a un refrain. Les murs tremblent, fondent nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Repends sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, fondent nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton onction, ta puissance. Ô Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent, sonnent nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Dépend sur nous ton onction, ta puissance. Que les murs tremblent, sonnent nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton onction, ta puissance. Ô Jésus, que ton nom résonne. Seigneur, que ton onction vienne sur nous ce soir. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton onction résonne dans nos cœurs, dans nos vies. Tu connais chacune de nos vies. Et tu veux semer à tour de bras pour que nous puissions porter du fruit. Je voudrais bénir mes frères et sœurs ce soir en ton nom. Tous ceux pour qui c'est devenu trop dur, ceux qui ont caché l'essentiel pour une raison ou une autre, pour ceux qui ont été emportés par le tourbillon de la vie, pour ceux pour qui les épreuves étaient trop dures, que ton onction descende ce soir, Seigneur. Fasse quelque chose de nouveau. Que tu viennes bénir, redresser, faire du bien, au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Descends sur nous, Seigneur. Prends pitié de nous et encourage-nous à vivre toutes les richesses de ton esprit au travers de la mort et de la résurrection. Que ta vie s'éveille en nous et autour de nous. Gloire te soit rendue, Seigneur. Chaque maison, vienne en nos cœurs la guérison. Oh, oh, oh.
toi. Oh, oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, oh, Abba, Abba, nous avons soin de toi. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Abba. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Abba. Proclamons. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Abba. Dieu, comme d'autres rois, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras ce soir. Abba. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Tes bras, oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était merveilleux. Et permettez-moi de juste faire la relation entre les chants de louange, le contenu des chants de louange et la prédication. Et sans s'être concertés, les deux nous invitent vraiment à tout simplement tout donner à Jésus et proclamer sa vie et l'amour fuira. Amen. Eh bien, je vous donne déjà rendez-vous ici même, à 18h, dimanche prochain, pour une autre veillée de prière, de louange et d'adoration. Permettez-moi aussi de vous rappeler que tous les derniers lundis du mois, il y a la réunion de prière du Puy de Jacob au Christ ressuscité, pardon, tous les derniers lundis du mois, 20h. Et nous avons aussi un projet, le 27 août, je crois à partir de 10h jusqu'à 16 ou 17h, notre journée communautaire qui se déroulera à la Tumenot, avec un repas, à midi. Voilà, le 27 août, les flyers sont à votre disposition. Nous attendons aussi avec beaucoup d'impatience Claude et Julia Payan, le dimanche 4 septembre à 18h. Et c'est vraiment un couple vraiment rempli de l'amour et de l'onction de Dieu. Voilà, la veille de louange de dimanche prochain. Le repas communautaire. Et pour le moment, c'est tout. Et pendant que
le groupe de louanges nous interprète un dernier chant. Est-ce que je peux demander à deux communautaires de recueillir les offrandes? Merci. Je te donne mon cœur. À toi, tout à toi. Eh bien, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Prions ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse tous durant cette semaine, qu'il vraiment fasse luire sa face sur vous et que chacun d'entre vous puissiez expérimenter sa bonté, sa fidélité, sa puissance dans tous les domaines de vos vies.
Et il y aura peut-être des moments de découragement, mais souvenez-vous, il a vaincu la mort. Amen. Amen. On a un dernier chant. Enfin, si ça vous dit. Alors avant de le prendre, ce dernier chant, je sais que c'est en général au début qu'on présente son groupe de louanges, mais du coup je vais en profiter vu que c'est la fin. Donc du coup je voudrais remercier Valentina qui est venue exprès de Mulhouse et qui a laissé son mari pasteur gérer les affaires de son église à Mulhouse. Donc c'est une belle preuve d'unité dans le corps de Christ par rapport à ce réseau qui se forme. Alors merci à Valentina. Alors, il y a Sébastien qui sonorise, qui est à la basse. Il a accepté de bien vouloir relever le défi de faire les deux. Donc, merci à lui. Et puis, j'ai un petit dernier qui est là-bas. Il a déjà loué une fois avec moi. Je n'ai pas pensé à le présenter, donc j'en profite ce soir. Donc, je vous présente mon frère Ludovic, qui est à la batterie. Et j'en profite, je remercie tous ceux qui ont pu accueillir les personnes, les frères et sœurs, à la vidéo, ma femme, et puis la prédication et la maîtrise du culte. Merci à vous. Et merci au Seigneur Jésus. Amen. Bon, ce chant s'appelle « Rien ne me séparera ». Séparera de l'amour de Jésus, rien ne me séparera de sa grâce, ni la mort ni la vie ne m'éloigneront de lui, car Jésus m'aime. Il a transformé tout mon être, il a fait de ma vie une vie remplie de sa grâce. Puis jour après jour, l'amour en moi me rend meilleur, et tant que je vivrai, oh, oh, je le louerai. Rien ne me sépare de l'amour de Jésus, rien ne me séparera de sa grâce, ni la mort ni la vie ne m'éloigneront de lui, car Jésus m'aime, oh, 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 Jésus m'aime. C'était le dernier. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis. Merci.